Mars. Une découverte qui pourrait indiquer que dans un passé plus ou moins lointain, il y aurait eu de la vie sur la planète rouge. C'est si dur que ça? Sortir la poubelle tous les jours, pourquoi faire? Pourquoi faire? T'imagines à quoi ressemblerait la Terre si personne ne sortait jamais la poubelle? Oui, ce serait terrible. En parlant de poubelle, est-ce que tu as rangé ta chambre? Et referme la porte. Milo, tu peux répondre, s'il te plaît? C'est moi qui fais tout dans cette maison. Bienvenue au bagne des Stromboli, esclave 330 à l'appareil. Salut, bonhomme. Papa? Hey, tu rentres bientôt? Parce qu'il y a une séance qui commence à 16h20, sinon il y en a une à 19h, attends, plus... Attends, calme-toi, calme-toi. Je pense pas que je serai rentré à temps. Mais si tu es en retard, tu verras pas la scène où les vampires prennent le sous-marin d'assaut. Oui, je sais, mon grand. Mais mon vol vient d'être annulé. Et il y en aura pas d'autre temps qu'il fera ce temps-là. Je suis vraiment désolé. J'entrerai dès que je pourrai. Je t'embrasse. D'accord. Salut. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est vraiment dommage. Milo se faisait une joie. Moi aussi, ma chérie, mec, si tu veux. Je sais, oui. Enfin, peut-être que s'il ne laisse rien dans son assiette au dîner, il pourrait regarder le réveil des zombies 3 à la télé. Hein? Yes! 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 Hop, 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 hop! Tu as laissé tes brocolis. Ça me donne envie de vomir. On dirait que c'est de la cervelle. Et alors? Tu aimes les zombies? Les zombies aiment la cervelle. Maman, personne n'aime les zombies. On n'aime pas des monstres. Ce qui m'intéresse, c'est leur éradication. D'accord, très bien. Pas de brocolis, pas de télé. Milo! Viens voir ici. Ce sont des brocolis? Non, c'est du vomi. Mais ça m'étonne que tu confonds. Oui ou non? Est-ce que je t'ai dit de les manger? Tu vas m'obliger à les finir? Va te coucher. Mais tu as dit que je pourrais... Non, ça c'était avant que tu me mentes et que tu empoisonnes le chat. C'est du poison, les brocolis. Mais non, bien sûr que non, du poison, voyons, les brocolis. Mais c'est toi qui as dit que... Non, j'ai dit, je voulais dire que c'est du poison pour le chat. Alors comment ça peut être bon pour moi si c'est du poison pour le chat? Parce qu'un chat, ça mange de la viande, pas des légumes. Peut-être que moi aussi, je mange que de la viande. Milo, va au lit. Sans discussion. Je croyais t'avoir dit d'aller au lit, Milo. Tu as dit va au lit, va dans le lit. Excuse-moi, faut être précis. Milo!
Ma vie serait beaucoup moins pénible si je n'étais pas obligée de jouer les mères autoritaires. Et moi, la mienne serait beaucoup moins pénible si j'avais pas de mère du tout. Réveille-toi. J'arrive pas à dormir. J'aurais pas dû dire ce que j'ai dit. Hein. C'était pas gentil de dire ça. J'ai vraiment des remords maintenant. Je devrais aller m'excuser. Tu crois? Je vais lui dire que je m'excuse tout de suite. Maman? T'es couchée? Je voulais te dire que... Maman? Maman? Milo...
Ça y est, j'ai des super pouvoirs. Saute dans la canne numéro 3. Quoi? Qui est là? Hé, hey, tais-toi. Et plonge dans la canne numéro 3. Vous voulez que je plonge là-dedans? Mais pourquoi? Plonge dans la numéro 3. Plonge dans la canne. Ah non, 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 je disais pas ça pour vous provoquer, je veux juste retrouver ma maman. Je veux retrouver ma maman. Vous comprenez? Maman, à moi. Oui, ma maman. Oh, mais non, ma maman, c'est elle qui me fait à manger. Elle me fait à manger. Oui, oui, ma maman, elle me nourrit. Non, non, elle lave mes affaires. Elle lave mes affaires, vous comprenez? Non, non, elle... ma maman, elle passe l'aspirateur. L'aspirateur, brouh. Oui, c'est ça. Non, non, mais non, arrêtez. Arrêtez. Ma maman, c'est elle qui borde le soir. Elle me borde. Ma maman. T'aimes les jeux vidéo? Garde ça, un simulateur de vol spatial. Les programmer à partir du manuel, c'est comme un vrai. Oh, je te fais marcher. Salut, Faro. T'es pas un martien, t'es un gamin. Bah, mon vieux, ça fait un bail que j'ai pas vu dans le coin. Ouais, moi aussi, je suis ravi.
m'appelle Gribble. Gribble premier. C'est quoi ton surnom? Attends, mais dis rien. Maverick. Non. Wolfman? Non. Iceman? Non. T'as pas vu Top Gun? C'est Milo. Hello, Milo. Quel mélu, Milo. Et moi, Ilico, je t'appelle frérot. Tape là. Vous êtes un terrien, vous aussi, comme moi. Chut, tais-toi. T'es fou, quoi? C'est le président Reagan qui a eu l'idée de ce programme. Les mystéronautes. T'as peut-être entendu parler de nous. Notre mission est de lutter contre le communisme interplanétaire qui menace la galaxie. Pourquoi tu crois qu'on l'appelle la planète rouge? T'inquiète pas, je fais souvent des trucs bizarres. Je te garantis que tu vas pas t'ennuyer. Tout est bancal ici. Attention. J'ai montré quelque chose. T'as intérêt à t'accrocher si tu me suis. Attends. Amène-toi. Hé, bat ma chambre. Oh, bien. T'as pas encore l'habitude de la pesanteur, toi, hein? Attends, t'inquiète pas, je vais t'arranger ça. J'ai la solution à tout. Voilà, j'en ai une grave. Non mais, écoute, en fait, je cherche ma mère, ça c'est... Va tester, ça. C'est voilà. Il faudra que je dépose le brevet. J'ai déjà le nom, t'as créé le Master 3000, ça marche. Oh, c'est génial. Oh, je vais te montrer un truc hyper cool. Quoi? Tiens pas bien. Panda! Ça aide la ceinture, hein? Hé, hey, regarde-moi ça. Il cherche encore comment tu t'es échappé. Regardez. Oh, mon sang, je suis enfermée. Au secours, à moi. Attends, regarde. Tu vas entendre ce qu'ils disent, évidemment. Non, mais, Gribble, je veux retrouver ma mère. En tout cas, c'est dégoûtant. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Un translateur. Mais, aïe. Interdiction de s'empiler, la superficie de... Interdiction de s'empiler? Oui, c'est drôle, là, ils disent ça à tout bout de champ. Bon, allez, tiens, c'est trop cool. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que je pense de quoi? Bah, ta piole, c'est pour toi, frérot. Qu'est-ce que t'en dis? Pour moi? Fais pas attention à celui-là. J'ai essayé d'en faire mon bras droit, mais tu te parles. Il est trop nul. C'est plutôt mon bras gauche. Oh non! Dès que je peux, je m'en débarrasse. J'en ai plus besoin, de toute façon. Maintenant, t'es là! Moi? Ouais! Mais de quoi tu parles? Je parle de nous, mon pote. Toi et moi. Tout le temps ensemble. Unis pour la vie. Les meilleurs amis du monde. On fera de la console toute la journée. Et on regardera la télé toute la nuit. Maman? Enfin bon, ça suffit pour aujourd'hui, la télé. Non. Allez, viens, je vais montrer autre chose. Qu'est-ce qu'ils disent? Voilà ton extraction. Le sujet sera éliminé. Pour l'opération terminée. Éliminé? Terminé? Terminator, j'adore ce film. Hé, hey, tu sais quoi, je viens avec moi. Je vais te montrer un truc hyper. Non, attends, Gribble, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. J'ai pas envie de te le dire et tu peux pas m'y obliger, ok? Alors on n'en parle plus. Non, Gribble, dis-moi, je t'en supplie. Erreur système! Dis-moi! Dis-moi! Ah, mon sang. Ah, arrête! Pousse! Et un plus! Ça chauffe. D'accord. Je vais tout te dire. La vérité, c'est que... ils ont besoin de maman sur Mars. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce que tu vois là, ce sont des nourrissons. Des bébés martiens. Ils poussent dans le sol comme des pommes de terre. À peu près tous les 25 ans. Et les martiennes n'ont pas l'instinct maternel. Ce qui est d'autant plus curieux que toutes celles qui commandent là-haut, ce sont des femelles. Bon, et alors? Ah oui, c'est vrai. Ce qu'elles font très bien, par contre, c'est fabriquer des robots. Alors elles ont mis au point des robots nounous, pour s'occuper des petites. Chaque robot nounou a une fille à élever. Après quoi, il est fichu. Ils sont plus réutilisables après ça. C'est pourtant pas si dur d'élever un enfant, hein? Dur? Et pourquoi ils ont enlevé ma mère? Bon, à chaque fois, il faut reprogrammer les robots nounous. Donc, ils se procurent une mère qui sait vraiment bien élever son enfant. Mais c'est chez moi? Et c'est moi? On est dans la mémoire de maman, là? Oui. Hein? Tout ce qui intéresse les martiennes, c'est l'ordre et la discipline. Qu'est-ce que t'avais encore fabriqué? Dis-moi ce qu'elles vont faire à ma mère. D'accord. Celui-là. Elles ont inventé une machine à extraire la mémoire. Le système importe l'autorité de ta mère pour la transférer dans les robots nounous. Ça fonctionne avec les vents solaires ou un truc comme ça. Quand le soleil se lève, elles extraient ce qu'il leur faut pour programmer les robots. Voilà. Ok, c'est tout. Quoi? Mais... alors maman va perdre complètement la mémoire? Oui, c'est à peu près ça. Non, c'est...
Ça se peut pas. Il faut qu'on la sauve. C'est impossible. Alors prends sur toi et passe à autre chose. Il faut essayer. Tu vois ça? C'est un bracelet montre martien. Tu vois les barres là? C'est le compte à rebours jusqu'au lever du soleil. Donc je pense qu'il doit rester à peu près 6,93 heures terriennes. Moins de 7 heures, c'est tout? Alors imaginons, c'est une simple hypothèse, que nous décidions de te déguiser. Et que nous utilisions tout ce matériel d'espionnage hyper sophistiqué pour te guider jusqu'à la surface, d'accord? Dis-toi bien que les martiennes, elles vont te repérer tout de suite. Elles vont te traquer, elles vont te tirer dessus. Et attends un peu. C'est une super idée. Mais tu viens de dire qu'elles allaient me tirer dessus. Quoi? Ah non, elles te tireront pas dessus, qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui l'as dit. J'ai pas dit ça, quelqu'un a parlé de lui tirer dessus là-bas? T'inquiète pas frérot, personne ne tirera sur personne. T'as rien à craindre, crois-moi, ça va être génial. Tu vas voir, je dirais même plus, ça va être... Cablissime. Ouais. Tu crois, Gribble? T'es sûr que ça va marcher? Oui, mon pote, ça va être terrible. Cet déguisement est d'enfer, fais-moi confiance. Tu vas passer totalement inaperçu. Même les Sissis te repéreront pas. Les Sissis? C'est quoi les Sissis? Ah oui, c'est vrai, les Sissis. Les sections d'intervention de la supervision intérieure. Une sorte de garde secrète. Ce sont celles qui portent des uniformes noirs. Mais t'inquiète, hein, c'est moi qui m'occuperai d'elles. Y a tout détail dont tu as oublié de me parler? Quoi? Non, qu'est-ce que tu... Moi? Je te jure, toi et moi, on sera comme les deux doigts de la main. T'auras plus rien à craindre. Et qui sera dans les étages supérieurs et sera repéré. Et il aura ton Mars à ses trousses. C'est moi qui lui sauverai la mise. Il voudra une reconnaissance éternelle et ce sera super cool. Oh, faut pas exagérer. Ouais, bon, d'accord, ok, j'ai un petit peu menti. Mais je le fais pour son bien. Après ça, il restera ici, avec nous, ça risque rien. Sur Mars. Évite là. C'est elle qui fait la loi ici. Tu vois ce que je vois? Ouais. J'adore ces graffitis. Je sais pas qui les fait, mais la superviseure les déteste. Attention, t'allais pas te distancer. Tu vois cet immense bâtiment? C'est la citadelle. Ta mère est tout là-haut. Toi, tu vas monter la chercher. Moi, je vais programmer le vaisseau avec les coordonnées de la dernière mission sur Terre. Et là, boum, vous plongez dans le tunnel spatio-temporel et vous serez chez vous pour le petit-déj. Ok? Pastoche? Ça y est, c'est bon, là, vous me repérez, tu peux être sûr. Arrête, maintenant, je t'expliquais, non. Je vais pas le laisser tomber. Regarde. Quand il arrivera au portique de contrôle, l'alarme va se déclencher, les gardes vont tout boucler. Moi, je vais appuyer sur ce bouton, ça va ouvrir la trappe de nettoyage et il tombera en zone de maintenance où il pourra s'échapper par le vide d'ordure. Ok? C'est très simple, non? Bon, ça va bien se passer. Mais au cas où... ça se passerait pas exactement comme prévu. Tu te sauves en courant, d'accord? Qu'est-ce que je te disais? Tout est sous mon contrôle. Je me suis trompé de temps. Oh mon sang! Non! Où est-ce qu'il m'emmène? Attends, laisse-moi réfléchir. T'évanouis pas, j'ai besoin de toi. Oh, c'est pas vrai. Bon, t'es encore monté. Et c'est pas bon signe. Mais je croyais qu'il fallait que je monte. Bah, oui et non. Y a monter si tu veux. Bon, ok. Pas de panique. Prépare-toi. À quoi? À courir pour commencer. Cours. Et c'est parti! C'est pas toi. Je vais où? Je suis trop fort. C'est moi la star du bazar. J'ai rentré sur le boulevard. Chape la soupe, me casse la barre. Rebelle, arrête de faire l'idiot. Dis-moi où je dois aller. Tu m'as pas traité d'idiot. Je vais où maintenant? Je suis perdu. Non, je pense que tu me dois des excuses. Mais, Rebelle.
excuse. Excuse acceptée, à gauche. Non, 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 pas cette gauche-là. Pas cette gauche, pas cette gauche. Reviens sur mes pas. Sur écoute, comme ça, elles savent toujours avec qui tu communiques. Avec qui je communique? Oh, avec Gribble. Oh non! J'ai pas le temps. Désolée, mais j'ai pas le temps. T'as le temps maintenant? Oh, c'est trop ingénieux. Attends, tu viens de la Terre. Tu dois savoir ce que veut dire. Faites l'amour, pas la guerre. Il est interdit d'interdire. Et mettre au boulot, dodo. Oh, Massaro, et dis-moi ce que c'est que le pouvoir des fleurs. Mais c'est notre langue. Où tu as appris notre langue? C'était il y a deux quartiers martiens. Je travaillais dans le bloc administratif. La superviseure parlait avec l'unité 113 doyenne 331. Elle consultait des documents terriens confidentiels. Quand elles sont parties, j'ai voulu voir d'où venait cette lumière bizarre. Qu'est-ce que vous faites là? Ben, on peint des chrysanthèmes. Des chrysanthèmes? C'est pas comme ça, chrysanthèmes. C'était... extraordinaire. Alors j'ai copié tout ce que je pouvais. Cette lumière qui vibrait, qui chantait. Rien dans notre monde ne m'avait jamais fait un tel effet. C'était comme si mes yeux s'ouvraient pour la première fois. C'était trop beau. Ils appelaient ça la couleur. Ton histoire de hippie venue d'une autre planète est passionnante, mais j'ai autre chose à faire. Sauver ma mère. Ah, ton robot nounou, tu veux dire? Non, ma maman, pas un robot, un être humain. Mais attends, mais j'ai vu à l'intérieur de sa mémoire que t'avais dit ma vie serait beaucoup moins pénible si j'avais pas de mère du tout. Oh, je sais que j'ai dit ça, mais j'ai eu tort. Elle me manque trop, trop fort. Pourquoi? Parce que... elle s'occupe de moi, elle me dit ce que je dois faire. Ah oui, comme la superviseure? Non, pas comme la superviseure. Ma maman est gentille.
Elle m'emmène à Disneyland, elle me lit des histoires dans mon lit. Elle me prépare mon chocolat. Quand je me fais mal, elle me soigne et elle me serre dans ses bras. Elle m'aime. Elle m'aime. Gate numéro 3. D'ouvrir, interdit aux martiens. Gribble. Georges Gribble. Il a dû arriver quand il était petit, lui aussi. Pourquoi il me l'a pas dit? Toucan ? Toucan ! J'arrive ! Ça va ? Attends, voilà. Et Gribble, où il est ? Je dois le retrouver. Sur cette planète, il y a que lui qui peut m'aider à sauver ma maman. Cette trace de brûlure. C'est là qu'ils fusillent les gens. C'est un peloton d'exécution. Ils vont fusiller. Il faut qu'on l'aide à s'échapper. Attendez. Vous n'allez pas faire ça, mais voyons, je suis une bombe atomique. Si vous me fusillez, on y passe tous. Vous ne voudriez pas voir ça sur la conserve. Bon, d'accord. Non, sérieux. Vous risquez d'éclencher un conflit interplanétaire majeur. Je vous préviens. Terriens, martiens. Bon, écoutez, je vis dans les égouts depuis des années. Je suis dégoûtant. Je suis contaminé. C'est très contagieux. Il n'y a que moi qui ai le vaccin. Écoutez, j'ai compris. J'ai inventé des trucs de fou. Si vous voulez, je vous les passe. Du mascara bleu, ça vous dit? Hein? J'ai aussi un yo-yo. Hein? Un Rubik's Cube? D'accord. Tycoon Molo. Un jeu de rôle. Vous aimez les jeux de rôle? Moi, j'adore. Dans la ou alors des skateboards. J'ai des millions de skates. Hé, hey, des pompes. Ça vous intéresse? Moi, j'adore. Pas de présentation. Sinon, une pizza. Oh, tchat! J'ai pas de chaussettes. Ou alors, je vous apprends le moonwalk. Mais avec les chaînes, ça va être dur. Des chaussettes. Vous avez l'air d'avoir froid aux pieds. Vous avez pas de chaînes, vas-y. Attends!
Ignat. J'ai perdu mon joli bronzage. Il reste moins de 3h30. Cette plage est magnifique. Ribolissime. Arrête de répéter ça. C'est vraiment gribétissime. Ah, ça y est, tout cas t'as repris contact. Ah. J'ai eu la bonne idée de l'équiper d'un tracker. Je pense à tout. Je suis une vraie bombe. Ribol bombe. Appuie-toi. Appuie-toi sur ce rocher. Oui. On pouvait pas mieux trouver. On va pouvoir reconstruire, là-haut, non. Tu vois. Arrête de bouger. Ah oui, pardon. Un nouveau repère. On pourra entasser des années de récup ici avant qu'il n'y ait plus de place. Qu'est-ce que t'en penses, toi et moi? Les inséparables. C'est toi qui seras empereur. Et moi, je serai el presidente. Qu'est-ce que t'as à me tirer dessus? Après tout ce qu'on vient de se dire. Donne-moi ça. Mais... T'es malade. C'est dangereux, ces engins. J'ai désintégré un sac poubelle une fois. J'ai failli m'arracher un pied. Eh oui. Ah, il est déchargé. Bon, alors, moi je dirais que le meilleur emplacement, c'est là-haut. Qu'est-ce que t'en penses? Cette poulet de lave, c'est plus facile pour remonter. Maman n'a plus beaucoup de temps, Gribble, faut y aller. Non, Milo. C'est pas possible. T'as vu ce qui m'est arrivé, là-haut? J'ai failli être grillé, moi. Merci de m'avoir sauvé, mais il n'est pas question que je remette les pieds là-bas. Mais arrête! Tu vas pas me laisser tomber maintenant! Au revoir. Georges! Tu t'appelles Georges? Comment tu m'as appelé? Georges! Georges Ribble! Tu étais petit, comme moi. Où t'as trouvé ça? C'est à moi. Toi aussi, ils ont enlevé ta mère, c'est ça? Je sais ce que t'as vécu, je te comprends, tu sais. Ce que j'ai vécu. Personne n'a idée de ce que j'ai vécu. Regarde. Ces jours où ils ont choisi ma mère à moi. Bien longtemps avant de choisir la tienne. Oui, je sais, ça s'est passé comme ça pour moi aussi. Non. Tu peux pas savoir. Comment tu veux qu'on comprenne ça? J'étais gentil. Je faisais ce qu'on me disait. Je rangeais mes affaires. J'obéissais toujours. Mais c'est à cause de ça qu'ils m'ont choisi. À cause de moi. C'est le pire. Quel message veux-tu qu'un enfant voit là-dedans, hein? Je suis d'accord. C'est pas juste. Non. Je vais te dire, moi, ce qui est pas juste. Ce qui est pas juste... C'est qu'une bande d'extraterrestres débarque en pleine nuit pour emmener ta mère, ton seul parent. Que tu les suis et que tu réussis à te glisser dans leur maison. Et que tu la cherches partout sans pouvoir la retrouver. Et quand tu la revois enfin, ta maman est sanglée sur une espèce de machine. Maman ! J'ai ramassé le casque de scaphandre et je suis allé la chercher. Mais je savais pas encore ce que je sais aujourd'hui. Je savais pas que quand le soleil se lèverait, ça mettrait la machine en marche. Et je savais pas
ce que cette machine allait lui faire. Et quand je l'ai su, il était trop tard. Et j'ai compris que... j'étais tout seul. Que je reverrai plus jamais ma maman. Et que je pourrai plus jamais lui dire que je l'aime. Que tu ne pourrais plus lui dire que tu l'aimes. Mais pourquoi ? Non, non, j'ai rien dit, t'inquiète pas. Ça n'arrivera pas. Pas ce coup-là. Pas pour toi. On va remonter et... on va sauver ta maman. Oui, c'est vrai. Oui. Compte sur moi. Ami pour la vie. Merci, Gribble. C'est normal. C'est ça, l'amitié. Et cette chose qu'on appelle amour ? Non ! Au secours ! Gribble ! Je suis désolée. Non, Gribble ! Non ! Arrête ! Ne tirez pas, par pitié ! Arrête, Gribble ! Gribble ! Du calme ! Écoute, elle ne va pas te tirer dessus. Elle ne va pas te tirer dessus. Ah, non ? Non, c'est elle qui nous a aidés à nous échapper. Ah, bon ? C'est tout clair qu'il a amené. Ah oui ? Avant, j'étais l'unité administrative 231 qui 312. Mais maintenant, je tape la crise dans votre délire, les mecs ! Mais de quoi elle parle ? J'en sais rien, elle dit sans arrêt ce genre de truc, mais je crois qu'elle veut nous aider, pas vrai ? À l'aise, Blaise, venez, faut tricoter des gambettes ! Tricoter des gambettes ? Ah, tu veux dire courir ? Ah oui, d'accord. Oui. Allons-y ! Oui. Vite ! C'est bizarre. Par là, c'est sorti ! Ok, il va falloir beaucoup tricoter des gambettes. Psychédélique ! Qu'est-ce que c'est ? Des fresques, tu sais, comme des graffitis. Attendez ! Attendez-moi ! Qui ? Attends ! C'est toi ! C'est toi qui peins tous ces graffitis ? C'est trop de la balle ! Balle ? Ce ne sont pas des balles, ce sont des fleurs ! Non, non, de la balle, ça veut dire bien ! Ça veut dire que je l'ai trouvé patent, mais... c'était pour dire que... toi aussi, je te trouvais patente. Oh, Gribble ! Tu peux changer de couleur ! Quoi ? Ça aussi, c'est trop de la balle. Qu'est-ce que c'est ? Ça ? On dirait une famille, un enfant et ses parents. C'est ça, l'amour. Mais c'est quoi ? Parents ? Ce sont des personnes comme ma maman qui ont des enfants comme moi. Il y a longtemps, vous avez dû avoir des familles, vous aussi. Si vous aviez des parents sur Mars, vous n'auriez pas besoin de nos mères pour programmer vos robots nounous. Venez. Mais notre superviseur dit que les Martiens ont toujours été élevés par des machines. Eh ben, apparemment, elle vous a dit n'importe quoi. On ne l'a jamais su. C'est la citadelle, c'est tout là-haut qu'il faut qu'on grimpe. La salle de contrôle est à la surface. Ta maman est ici, dans l'extracteur. Et votre navette de retour est dans ce silo. Tout ça, c'est bien joli, mais on n'arrivera jamais à la citadelle. Pourquoi ils contrôlent tout le monde ? Bah, c'est que t'es une célébrité maintenant. Mais qui est ce sébisant rebelle qu'on voit à tes côtés ? Attention, baissez-vous ! S'ils vous chopent, ils vont vous mettre en tôle ! La prison ! C'est là qu'on veut aller, justement, non ? Ah oui ! Il a trop raison ! Quoi ? Mais attendez, tu veux qu'on aille en tôle ? Non, la première fois qu'ils m'ont arrêté, ils m'ont mis en prison. Et la prison est à côté du silo où se trouve le vaisseau spatial. D'accord. Deuxième sous-sol, vas-y. Si on arrive à passer par la prison, et de là dans le silo, on pourra atteindre la surface où se trouve ta maman. Oui, mais la prison est tout là-haut, à plusieurs centaines de mètres d'ici. 314 mètres ! Vous êtes sûr de ce cas ? J'ai pris un peu de poids, c'est dangereux ! Il faut neutraliser les gardes, éteindre les caméras de surveillance et on pourra se glisser dans la prison et de là dans le silo. On a attrapé les deux terroristes. La superviseure a donné l'ordre de les enfermer dans des cellules. Et ça va marcher ? Non ! Oh non, s'il vous plaît, non, je veux pas retourner en prison, je vous en supplie ! Oh non, pitié ! Non, j'ai la rougeole, je veux voir un médecin ! Et j'ai de la gingivite !
Et un début de calvitie hypocratique. Je vais leur donner l'étrange visant. Où sont-ils? J'ai le bouton du bas à gauche. J'ai la danse de Saint-Guy. J'ai la tête du satisfait. J'ai des poches sous les yeux. Et mauvaise haleine. Oui, très mauvaise haleine. Ah bon? C'est terrible. Allez. Et c'est la fin des émissions de Radio Zonzon. Trop marrant. En tout cas, viens. Allez, dépêche-toi, allons-y. Bon, voilà ce qu'on va faire. Je vais chercher maman. Vous démarrez le vaisseau et on sera parti avant qu'ils aient le temps de... Gribble, qu'est-ce que tu fais? C'est mon ami Wingnut. Il est vivant. Salut vieux, je peux pas le laisser. Bon, d'accord, l'hiver même, mais dépêche-toi, faut qu'on s'en aille. Ok. Voilà, ça y est. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils se prennent dans les bras et ils se frottent? C'est la danse des câlins, encore un truc d'amour. Bon, ça suffit, allez, viens, bon, faut y aller. Ah, ça alors, j'ai dû ouvrir toutes les cellules. T'as ouvert la cage aux oiseaux? Ah, on dirait, ouais. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les petits sont nés. Il l'écrit. Oui. Il confie chaque fille à un robot nounou. Les garçons sont envoyés en bas, où ils sont pris en charge par le clan des chevelus. Ceux du clan savaient sûrement que les naissances étaient pour bientôt. C'est pour ça qu'ils dansaient dans la décharge, c'était la fête. Oui, mais ils sont tous montés ici, maintenant. Il n'y a plus personne en bas pour s'occuper des petits. Ils vont se trouver tout seuls. Et se trouver tout seuls? Ça veut dire être sans amour, c'est ça? Oui. Allez, venez, il faut partir. Attends. Attends. Sautez dans le vide ordure. Écoutez, écoutez-moi. Si vous descendez par la gaine numéro 3, vous pouvez sauver les petits. D'accord? Vous comprenez? Attends. La gaine... numéro 3. Oui, bon, allez, viens. 1, 2, 3. Il faut qu'on y aille, il faut comprendre. Non, ils sont idiots, ils comprennent rien. Qui? Ça sert à rien. Dépêchons-nous. Plonge, Wingnut. Juste derrière la fusée, il y a une échelle qui mène à la surface. Mais comment on passe avec toutes ces martiennes? J'ai la solution. Chacun son scaphandre. Et n'oubliez pas de les serrer. Bien joué, bien joué, bien joué. Tiens, prends ça. On reste en contact. Grimpe à l'échelle là-bas. Bonne chance. Oui, mais ils vont pas me voir de la salle de contrôle. Sûrement pas, ils vont regarder le lever du soleil et s'apercevront de rien. Quand ils comprendront, on sera sur le canapé à regarder les maîtres de l'univers en mangeant des cookies. Gribble. Oui, et moi je m'appelle qui? Tu te rappelles? Oui, je sais, oui. Non mais j'ai dit ça parce que ce vaisseau fonctionne avec un capteur de reconnaissance vocale qui autorise le démarrage du système. Et j'ai dû choisir un mot de passe. Et qui? C'est pas un mot très... pour déclencher une mise à feu. Tu comprends, sauf que... Tout bien réfléchi. Qui est peut-être justement le mot de passe idéal puisque... puisqu'il arrive à... mettre à feu mon cœur. Oh. J'adore quand tu changes de couleur. Gribble, qui? C'est à mi-chemin. Thank you.
contrôle. Elles seront dans le sas qui mène à la surface d'une minute à l'autre. Oh non! Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on se pose. Bon, occupe-toi de ta mère. Je me charge des ici. Mais elles vont te... Non, non. Maman me disait toujours, fais ce qui te semble juste. Pour la première fois depuis que je suis sur Mars, c'est ce que je fais. Pourvu que qui voit ça. Allez, vas-y. Feu aux fesses! Me tirer du lit. Thank you.
Soulève-la. Tu m'as sauvé. C'est grâce à toi, Milo. Non, c'est grâce à Gribble. Non, non, c'est toi, mon grand. C'est toi. C'est toi qui as sauvé ta maman. Pardonne-moi pour les méchancetés que j'ai pu te dire. C'est pas vrai que ma vie serait moins pénible sans toi. Oh, mon amour. Mon Milo. Chose qu'on appelle l'amour. Cette drôle de chose qu'on appelle l'amour. Tu restes ou pas? Je sais pas. Je crois que je vais plutôt... Mars a beaucoup changé. Je crois que je vais rester avec qui? Il y a de la peinture à faire. Il fait un rouge extraordinaire. Mais alors, je te reverrai jamais? Quoi? Mais bien sûr que si. On sera toujours en contact. Comment? Tu me poses la question, à moi. J'ai une solution Gribble ici. Ami pour la vie. Il y a intérêt. Merci, Gribble. Ta mère serait fière d'avoir un fils comme toi. Je vous remercie. Oh, ta peau. Je pleure pas, je fais une allergie. Idiot.
Je t'aime, mon Milo. Oui, je le sais. Maintenant. Papa ! Salut, toi. Bonjour, chérie. Bonjour. Il s'est passé quelque chose pendant le week-end ? Ça m'étonne que tu confondes. Oui ou non, est-ce que je t'ai dit de les manger? Tu vas m'obliger à les finir. Maman! Ma maman, elle passe l'aspirateur. L'aspirateur. Broum, broum. Oui, c'est ça, oui. Je te fais marcher. Fais pas attention à celui-là. J'ai essayé d'en faire mon bras droit, mais tu parles. Il est trop nul. C'est plutôt mon bras gauche. Tu vas voir. Je dirai même plus. Ça va être cribissime. Ouais. Si tu commençais par courir déjà. Cours, 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 cours. Et c'est parti. C'est pas trop tôt. C'est moi la star du bazar. Gérant, casse le boulevard. Chope la soupape. Casse la baraque. Gribble, arrête de faire l'idiot. Dis-moi où je dois aller. Oh, 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 oh. Tu m'as pas traité d'idiot. Là. Attends un peu. Et ça te rattraper un bout de tuyau dans la descente. C'est ce que je fais. Qu'est-ce que t'as me tiré dessus? Après tout ce qu'on vient de se dire. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé pas tant et... C'était pour te dire que toi aussi je te trouvais patente. Polito, Gribble, tu peux changer de couleur. Quoi? Ça aussi c'est trop. La balle. La gaine. Numéro 3. Oui bon, allez bien. 2, 3. Il faut qu'on y aille, il faut comprendre. Non, ils sont idiots, ils comprennent rien. Quel est l'idiot qui a laissé ça là? Dans la navette. La navette. Mais quelle navette? Celle-là.